Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, hey, Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'intéresse à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention, c'est nous Corneille et Bernie. On est trop forts. John Bess, ça va? Alors Corneille, tu lances ce ballon? Ah ouais, d'accord, tu fais l'action au ralenti, c'est ça? Mais vas-y, prends ton temps, on est qu'au début de l'épisode. Elle marche! Et sur moi, comment elle fait trop cool! Mais tu te vois vraiment avec une montre bracelet, Corneille! T'as même pas de poignet! Elle ne nous appartient pas, Bernie! Ce serait du vol de la garder! Nous nous devons de la ramener à la police! Bah, tu rigoles ou quoi? Tu connais pas la règle du qui trouve, y garde? Allez, en route! À ma montre, il est l'heure de rentrer! À ma montre! Bernie, regarde bien mes babines. Une mauvaise action ne reste jamais impunie. Garder cette montre ne te portera pas bonheur. Et mes babines à moi, elles te disent m'en fiche. John, Bess, on est là. Et voilà nos deux jeunes dieux du stade. Corneille, chérie, tu t'es amusé. Bernie, en voilà une montre incroyable. Ouais, elle me va bien, vous trouvez pas? Absolument exquise. Bon ben, on se voit demain, Corneille. Et je serai à l'heure. Bernie a dû économiser durant des mois pour s'offrir une montre pareille. C'est vraiment un garçon exemplaire. Désolé, Bernie, que tu le veuilles ou non, tu vas devoir rapporter cette montre. Hey Corneille, c'est ton toxiteur adoré. Et cette fois, pile à l'heure. Hey Corneille, cette montre, c'est le top. Regarde ça, elle fait chrono, calculette, alarme et même console de jeu. Et la fonction laisse pour chien. Bon. Oh, ça c'est bien vu, Corneille. Attends, je vais la chercher. Yes. Oh, ça n'est vraiment pas de chance, Bernie. Tu es en plein dans les ennuis. Oh, la montre. C'est parce que tu as gardé la montre. Oh, comment ça, pas de chance? Ma casquette fétiche. Je croyais l'avoir perdue pour toujours. C'est mon jour de chance. Ouah, t'as vu ça, Corneille? Cette montre, elle donne l'heure de Los Angeles, pour ton combo et même ton Bouctou. Eh, hey, c'est où Tombouctou, au fait? C'est en Afrique. Et dire qu'en ce moment, il existe une âme en peine qui n'a aucune idée de l'heure qu'il est parce que tu as sa montre. Ouais, et ben si, il est à Tombouctou. Tu crois bien que sa montre, on aura du mal à lui rendre. On commence à étouffer ici, Bernie. Pour une fois, je ne dirai pas non à une bonne boisson bien fraîche. Ok, ça marche. Hé, hey, mon sac, il a disparu. Oh, il s'agit certainement d'un vol. Oh, mais quelle fichue poisse! Garder la montre ne porte pas bonheur. Coucou. Ce ne serait pas ton sac? Comment je pourrais vous dire merci? Eh bien, tu pourrais m'emmener au ciné. Oh. Je m'appelle Cindy. Oh. Ah tiens, je te laisse mon numéro. Ah.
Ne te fais pas trop d'illusions, Bernie. C'est juste une invitation au cinéma. Corneille, tu veux parler de Cindy, l'amour de ma vie. Et toi qui disais qu'avec la montre, j'aurais la poisse. Moi, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que ma bonne étoile ne va plus me lâcher. Ah ! Hé ! Ma bécane ! On peut faire un constat si tu veux. Non ? Allô ? Ouais, Franck. Quoi ? Tu ne peux pas jouer ? Mais le match est dans une heure. Qui veux-tu que je trouve pour te remplacer ? Admets-le, Corneille, j'ai un bol d'enfer en ce moment. Si j'avais pas fait tomber ma trottinette sur le vélo de Roméo, jamais il m'aurait proposé de jouer. Hé, ça suffit de parler tout seul, Bernie. On commence. J'arrive, hein. Si on gagne, Roméo me demandera peut-être d'intégrer l'équipe officielle. Droit au but, Bernie. Que je rêve. En plein dans le mille, Bernie. On est gagné. Bernie, tu cartonnes sévère. Compte sur moi pour ta place dans l'équipe officielle. Oh, tu te rends compte, Corneille? Je te le dis, cette montre est mon nouveau porte-bonheur. Oh, jamais je m'en séparerai. Bernie, attention. Wow, j'ai de la chance, elle est même pas cassée. Alors que toi, t'as mal, hein? Bah ouais, t'as malchance! Malchance! En plus, j'invente des nouveaux mots! Oh, Bernie, tu n'as pas idée de la perche que tu viens de me tendre. Mais oui, c'est évident. Faut profiter que j'ai du bol! Je te dépose et je vais à la tombola chercher 19 tickets pour moi et Cindy! Aide-moi, bah, Bernie! Corneille? Corneille? Bah, t'es où? Je suis par ici! Où ça? Corneille! J'aurais pu y perdre la vie. Ça t'apprendra à regarder où tu marches. Salut, oncle Rico. Salut, Bernie. Ah, bah ça tombe bien, il avait justement besoin d'une bonne douche. Tu vois bien, Bernie, la malédiction est sur moi. De quoi est-ce que tu parles? Mais c'est l'évidence, Bernie. C'est moi qui ai trouvé la montre en premier. Le mauvais sort s'acharne donc sur moi, pas sur toi. Mais tout ça pour une petite douche, dis donc, tu crois pas que t'exagères? Bon, sa majesté est de retour et il est sain et sauf. T'es heureux? Heureux? Je ne serai plus jamais heureux. Aussi longtemps que tu détiendras cette maudite montre, ma vie sera un enfer. C'est dingue ce que tu peux être parano, toi. Écoute, Corneille. Coucouche panier, tu vas te faire un bon gros dodo et demain, tu te rendras compte que toutes ces superstitions, c'est n'importe quoi. Très bien, Bernie. Tu ne me laisses pas le choix. Salut, Corneille! C'est ton dog-sitter adoré! Eh, t'as remarqué? Je suis pile à l'heure! Encore! Corneille? Corneille, t'es où? Je suis là. Corneille, mais d'où ça vient ces bandages? Bernie, alors que je sortais de la baignoire, j'ai glissé sur le tapis de bain et j'ai chuté sur le rebord. Le robinet de la douche s'est ouvert, crachant son eau brûlante. J'ai bondi en l'air, ma tête a heurté le plafond. Je suis retombé sur la boîte à pharmacie sur laquelle on avait laissé des épingles de nourrice qui m'ont... Ok, stop, c'est bon, c'est ça pique. Bernie, cette malédiction s'acharne sur moi. Toi seul peux t'y mettre un terme. Bernie? Bernie! Vite, donc, Lorico, trouve-moi un vétérinaire pas trop cher. C'est pour Corneille, il lui faut des soins et c'est de toute urgence. Bernie, attends, ce n'est pas si grave. Enfin, si, c'est assez grave. Mais pas au point de déranger le vétérinaire. Finalement, oncle Rico, laisse tomber. Il suffit de ramener la montre.
Corneille ? T'as bobo ? Corneille ? Corneille ? Corneille, réponds-moi ! Corneille, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais réveille-toi ! Oh, c'est pas vrai ! Oh non ! Tout ça, c'est ta faute! Maudite monstre! Tu as tué mon chien! Cette fois, ton compte est bon, Joe! Mais inspecteur, je vous assure, je ne l'ai pas, votre montre! Corneille! Tu es vivant! Oh, oh, j'ai eu si peur, Corneille! Ça va, j'ai juste une bosse. Oh, oh, c'est fini maintenant, il pourra plus rien t'arriver! Oh, bisous, bisous, bisous! Merci! Arrête! Oh, quand je te poursuivais, je savais plus ce que je faisais! C'était comme si j'étais possédé par la montre! Bernie, non pas possédé par la montre, mais en possession. Bonne journée, inspecteur! Et attachez votre ceinture! J'espère que tu auras retenu la leçon. On ne doit jamais conserver un bien qui ne nous appartient pas. Jamais. Oh, Corneille, regarde! Une navette spatiale! Oh, Bernie, c'est un pigeon obèse. Bernie! Il y en a encore une! L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut! Voici Corneille et Bernie. Attention, c'est nous, Corneille et Bernie. Ça va. Et regarde comment je maîtrise pied gauche, pied droit et poitrine. Bernie, tu n'es pas sans savoir que jouer au ballon au milieu de la rue est source d'une multitude de dangers. Corneille, tu comprends rien, c'est pas n'importe quel ballon ça, c'est THE ballon. Regarde, il est dédicacé par Vavaropo en personne, le champion du monde de football. C'est un collector, Corneille. Regarde comment je suis ceinture noire de football. Corneille, attrape. Bernie. Est-ce que ça va, Bernie? Mon ballon. Excusez-moi, mais il y a mon ballon qui est tombé dans votre jardin. Oh, le parc du bâtiment P, vous voulez dire? P, ouais, d'accord, si vous le dites. Les visites sont terminées pour aujourd'hui, mais revenez demain, si vous voulez. Non, je veux pas revenir demain, c'est mon ballon que je veux. La réception, bonjour, je peux vous aider? On peut aussi bien revenir demain. À toi de voir, la balle est dans ton camp, Bernie. Ah, très drôle. J'ai pas dit mon dernier mot. Ouvre grand tes yeux et admire le style. Ce ballon, il est pour mon petit frère gravement malade. Hein? Il a été dédicacé par Vavaropo. Et mon petit frère, dont la vie ne tient qu'à un fil, est un de ses plus grands fans. J'espérais lui redonner le courage de se battre en lui rapportant ce ballon de football. Mais deux voyous masqués m'ont attaqué dans la rue et ils m'ont jeté dans le lac. J'ai juste eu le temps d'envoyer le ballon par-dessus le mur. J'avais trop peur qu'ils essayent de me le voler. Vous êtes mon seul espoir. S'il vous plaît, pour ma petite sœur, frère. Voici un badge visiteur. Surtout ne le perdez pas. T'inquiète, Ginette.
Avoue que je suis doué, hein, je t'ai épaté. J'admets que tu as un talent certain pour le mensonge, Bernie. Et à ton avis, c'est quoi le P de bâtiment P? Patate? Palourde? Ou paupiette? Oh. Oh, mais où est-ce qu'il est, mon ballon? Ballon, où est-ce que tu te caches? Bernie, tu ne trouves pas que les patients ont l'air un peu bizarre? Le mur d'enceinte est anormalement élevé, ballon, l'accès est contrôlé de près, et surtout, il y a cette mystérieuse lettre P. Ah, te voilà. P comme... Bah, P comme parc. Oh là là, franchement, t'es pas aussi futé que tu le prétends. Tu me déçois. Votre Majesté, permettez-moi de me présenter. Je suis Ivanovitch, roi d'Espagne. Bienvenue dans mon royaume. Bonjour, alors moi je m'appelle Bernie Barge et je suis d'Occiteur. Non mais ça va pas, vous êtes dingue ou quoi? Il est clean. Excusez-moi pour ma brutalité, mais il y a une recrudescence d'extraterrestres ces temps-ci. Agent Bunny. Agent Spider, on a été enfermé ici suite à un complot. Enfermé? Mon badge? Ça y est, j'ai compris. C'est un P comme psychiatrie. Regarde bien mes babines, Bernie. Nous sommes dans un hôpital psychiatrique. Il faut que nous sortions d'ici avant que cela ne tourne mal. T'inquiète, Corneille, juste après avoir retrouvé mon ballon dédicacé et ma main, parce que j'ai un peu bobo. Et arrête de paniquer pour un rien, hein, parce que franchement, faut que tu te calmes. Arrêtez-vous. Mais qui est donc ce cas exemplaire de schizophrénie présentant un dédoublement de personnalité et imitant parfaitement plusieurs voix? Le docteur Croyd, c'est-à-dire moi-même, veut savoir. Non mais docteur, je suis pas fou. Je suis juste venu chercher mon ballon dédicacé par Vavaropo. Ah, pourtant le docteur Croyd ne voit ni ballon ni badge visiteur sur votre chemise. Mais je l'avais, je vous le jure! Vous avez qu'à demander à Corneille! Allons, allons, n'ayez pas d'inquiétude, mon petit. Nous allons vous placer en observation. Vous êtes entre de très bonnes mains ici au bâtiment P. Ne t'inquiète pas, Bernie. Tu es seulement en observation. Le docteur Creud est sûrement quelqu'un de raisonnable. Il verra bien que tu n'es pas fou. Ouais, t'as carrément raison. Mais d'abord, je vais chercher mon ballon. Excusez-moi, par hasard, vous auriez pas vu un truc rond? Votre Majesté, vous revoilà. Quel plaisir de vous revoir. Eh, pensez pas qu'il va vous répondre, hein, il parle qu'à moi. Votre domestique semble bien arrogant. De nos jours, trouver du personnel digne de ce nom est une vraie gageure. Souhaitez-vous que nous faisions décapiter ce scélérat? Oh non, pas lui. Corneille, dis quelque chose. Corneille, il faut que tu m'aides. Je veux pas être décapité. Est-ce que je vais y retrouver mon ballon de champion du monde? Chers amis, j'ai le grand honneur de vous annoncer la présence parmi nous du champion du monde de football. Bernie Barge, dans le bureau du Dr. Croyd. J'arrive tout de suite. Dr. Croyd vous a observé. Vous devez accepter votre état, mais c'est un premier pas vers la guérison. Prenez exemple sur votre nouvel ami Ivanovitch qui a des troubles assez proches des vôtres. Lui aussi pense que les animaux parlent, mais il a fait des progrès considérables en 8 ans. 8 ans? Enfin 8 ans? Mais la vérité c'est que Corneille est un chien qui parle vraiment! Je t'en supplie Corneille, parle! C'est la seule solution pour qu'il me libère! Tenez, voici le règlement intérieur de l'établissement. Apprenez-le par cœur. Laissez-moi sortir d'ici! Je suis pas fou! Puisque je vous dis que je suis pas fou! Moi non plus, je ne 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 suis pas fou! Non! Corneille, il faut sortir d'ici! Et pourquoi t'as pas tout avoué au docteur Croyd tout à l'heure, hein? Regarde bien mes babines, Bernie.
Il est absolument hors de question que je me sacrifie avant d'être sûr que nous n'avons pas tenté tout ce qui est possible. Fais-moi mais confiance, tu peux compter sur moi pour nous sortir de cette maison de fous. Cependant, prouver que tu es sain d'esprit n'est peut-être pas une bonne idée. Ça va prendre beaucoup trop de temps. On va donc passer directement au plan B. Veux-tu bien me passer le règlement intérieur, s'il te plaît? Franchement, tu crois que c'est l'heure de lire, hein, Corneille? Tu crois que c'est le moment de jouer du trombone? Oh là là, comment t'as fait ça? Tu veux bien m'apprendre? Il n'en est pas question. Le crochetage est un art bien trop sérieux pour que je te l'enseigne, Bernie. On est enfin libre. Mais attends, attends, mon ballon. Bon, maintenant qu'on sait comment sortir, je peux tranquille aller le chercher, hein. Bernie, non. Lâchez-moi. Docteur Croyd félicite votre vigilance. Tu parles, il était en train de pioncer. Plan C. La liberté est au bout de la fourchette. C'est une contrepétrie? Allez, Bernie, courage! Et cette fois, oublie ton maudit ballon. Je vais te mettre au régime. Tu vas manger de la croquette light. On y est presque. Oh, mon ballon. Oh non, il dort pas lui. Mon ballon, mon petit ballon. Petit ballon. Bernie. Non mais dis-moi, est-ce que tu te rends compte que sans ce fichu ballon, nous serions libres à l'heure qu'il est? Peut-être, mais il est hors de question que je quitte cet hôpital sans lui, est-ce que c'est compris? Mais enfin Bernie, arrête ce cirque, ce n'est qu'un ballon. C'est pas un ballon comme les autres d'abord, c'est THE ballon avec un Z. Il va falloir que je trouve un plan D avant que Bernie ne perde totalement la raison. Bernie, arrête immédiatement. Tu me déconcentres avec ton maudit ballon. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon ballon? Au cas où t'aurais zappé, il est dédicacé par... Par le champion du monde, je sais, Bernie. Bavaropo. Oh, si seulement nous pouvions sauter par-dessus le mur aussi facilement que ton ballon. Mais c'est exactement ce que nous allons faire, Bernie. Franchement, j'ai jamais été très doué pour le saut en hauteur. Par contre, au football, je peux te dire que j'assure grave. Parfait, ça va être l'occasion de le prouver. Votre Majesté... Mais Corneille, t'es fou! Non, Bernie, c'est lui qui est fou. Votre Majesté, le champion du monde souhaiterait s'entraîner. Que diriez-vous d'organiser un petit match avec vos amis? Mais voilà une excellente idée, mon cher, très volontiers. Je suis pas sûr qu'ils aient compris les règles. Il est clean. Patata! Allez, mes amis, encore plus haut! Allez, c'est le moment de sauter. Oui, mais d'abord, je récupère mon ballon. Hors de question. Liberté, liberté, chérie. Mon ballon. Mon ballon.